On considère qu'Hinkley Point, c'est pas une mauvaise idée en soi, c'est que économiquement parlant et stratégiquement parlant, on pense que c'est d'abord précipité, parce que Flamanville n'est toujours pas terminé et qu'on n'a pas de retour sur expérience sur le sujet, et que d'autres solutions sont possibles, comme un câble souterrain, sous-marin, pour transporter de l'électricité de la France en Angleterre, et que le coût du projet est complètement disproportionné par rapport aux finances et aux investissements futurs primordiaux pour EDF. C'est quoi la stratégie? C'est tout le problème, c'est que la stratégie de l'EDF, elle est multiple et pas vraiment bien organisée. D'un côté, on nous demande de faire Hinkley Point, qui va coûter presque 16 milliards EDF, 24 milliards en tout. De l'autre côté, on nous demande, on doit, et c'est très important, de faire Grand Carénage, qui va coûter entre 50 milliards et 100 milliards. On nous impose de racheter Areva pour 2,5 milliards. Il y a le site de Cigéo qui va coûter plus de 20 milliards là aussi. Donc tous ces investissements ne sont plus de la capacité financière d'EDF. Et donc nous on demande à ce qu'on se recentre sur notre cœur de métier et plus particulièrement le grand carénage.